Bonsoir, le temps est resté instable ce jeudi, avec d'ailleurs ce soir des averses orageuses entre l'Aquitaine et les Ardennes. Demain, ce sera gris quasiment partout le matin, avec de la grisaille pour le quart nord-ouest. Ailleurs, les nuages vont précipiter, avec notamment des pluies soutenues prévues dans le sud-est. Localement, elles prendront un caractère orageux et elles vont perdurer tout au long de la journée, avec des cumuls conséquents, notamment sur les régions alpines. On aura par endroit des cumuls de 50 à 80 mm près du relief. Encore de l'instabilité du sud-ouest au nord-est avec des averses à caractère orageux et puis un ciel plutôt variable attendu dans le quart nord-ouest. Les températures de ce vendredi matin évolueront entre 9 degrés à Cherbourg et 17 degrés pour Marseille et dans l'après-midi, elles afficheront 15 degrés à Brest, 18 à Paris, 19 à Clermont-Ferrand, 23 degrés à Perpignan et 24 du côté d'Ajaccio. Le week-end va commencer par un samedi calme mais dominé par la grisaille dans le nord avec d'ailleurs beaucoup de vent vers la Manche. Le soleil sera beaucoup plus franc dans le sud, surtout entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Et les températures l'après-midi évolueront entre 15 degrés à Lille et 21 à Perpignan. Dimanche, du soleil prévu dans l'est, mais une nouvelle perturbation du sud-ouest jusqu'au nord, suivie par des averses pour le quart nord-ouest. Avec cette pluie, c'est la fraîcheur qui va faire son retour. Seulement 13 degrés attendus dans le quart nord-ouest, mais il fera très doux dans l'est, 19 à Strasbourg, 20 degrés pour Lyon et près de la Méditerranée. Année. Continuons avec le début de la semaine prochaine. Un temps instable et surtout plus frais pour ces deux journées. Moyenne de 13 au nord et de 15 au sud, ce sera à peine deux saisons. Avec un régime d'averse pour la journée de lundi, retour de la neige à moyenne montagne. Ça sera plus calme pour mardi, même si un front parviendra à revenir par l'océan. Et puis on devrait le retrouver de manière très atténuée sur le nord et l'ouest mercredi, avant une journée probablement calme pour jeudi, mais encore dominée par les nuages dans le nord. Les températures vont progressivement remonter au cours de la deuxième partie de la semaine. Ce soir, direction la Côte d'Azur, ici sur la commune des Issembres dans le Var, avec une mer agitée ces derniers jours, avec un vent de secteur est qui a soufflé sensiblement et qui a charrié d'ailleurs quelques débris sur les plages. Nous serons demain, le vendredi 23 octobre, et nous perdrons encore 3 minutes de soleil. Excellente soirée à tous et à demain.